Bon, mais là, je suis sur la dernière portion avant d'arriver au col. Tenter à rattraper la route qui mène en haut de l'Arzamendi. Parce... Il n'y a pas d'autre possibilité à part peut-être une sente, mais que j'avais voulu faire la dernière fois. Trop raide. On verra si je peux le faire cette fois-ci. Ouais, c'est oh, le brouillard, hein. Putain. Pas de chance, moi, avec ce sommet. Enfin, avec le Pays Basque en général, hein. C'est souvent voilà, comme ça, quoi. Hein. Ça se découvre, ça se coupe, ça se découvre. C'est imprévisible. Là, on a des cromlechs. Sorte de truc funéraire ici là, en rond avec normalement la sépulture au milieu. Il y en a un plus bas au niveau du col, au niveau du parking. Voilà, là je rejoins la route. C'est vrai, il faut que je prenne là où il y a le gars là, qui montait de... On verra. Oh, il y a du monde là. Allez, voilà les cromlechs. Cromlechs type Meatz. Ok. Ouais. Les crédits par là, par là-bas. Ouais. Vraiment dommage. Il ouais, faudrait que je passe là, mais ça ne va pas le faire. Hein. J'avais essayé la dernière fois, mais c'est impossible. Ok. Allez, à plus. Ouais, en fait, là, je suis au niveau du col de Meatz. Ça s'appelle. Hein. Et là-bas, au loin, on voit la rune, hein, avec son antenne et ses bâtiments. C'est Benta qui est au bout de la rune, son petit train. Alors, soit par la route, soit par la sente, mais c'est un peu costaud la sente. Je me souviens, la dernière fois, j'avais voulu la faire, mais j'avais fait la moitié et j'avais rebossé le chemin. Pas possible, après, c'est trop caillouteux. Après, plus haut, oui, j'avais fait la crête un peu et arrivé là. Alors peut-être que je vais faire ça, monter par la route, me faire la crête et puis peut-être redescendre ici là. Et après remonter. Alors c'est à Mendy. Allez, à plus.